Regarde qui c'est qui est en face, mec. Mais non. What? Mais non. Tu t'es perdu? Eh bien bonjour à tous, c'est les Bornes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Battlefield 5 et il y a un truc qui fait extrêmement plaisir, c'est que DICE et EA ont écouté la communauté, qui demandait tout simplement d'avoir un map pool avec les nouvelles maps, les nouveaux DLC de Battlefield 5 et on peut maintenant jouer tranquillement nos maps préférées, alors que là on voit un petit 1v2 face à Team Rearwall avec leur dans point la de campagne, vue. Il y a scellé à droite, derrière là. Il m'a enlevé 93, ça faisait, c'était vraiment un échange de balles de type énervé, franchement. Voilà, comme je vous le dis, vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai rencontré des Français, pas mal de Français en fait, dernièrement sur Battlefield 5, donc ceux-ci qui étaient en stream, d'ailleurs je vous encourage à aller voir leur stream, le stream de Nico, qui est dans la description. Voilà, c'est des joueurs historiques sur Battlefield 3, qui font encore du stream sur BF5, il n'y a pas beaucoup de streamers Battlefield 5, donc si vous voulez du contenu BF5 en stream sur Twitch, allez voir leur chaîne, en tout cas sa chaîne à Nico. Moi ça me fait vraiment plaisir de croiser des Français in-game. Alors je préfère évidemment quand ils sont dans mon équipe plutôt que dans la team en face. Mais c'est vrai que généralement il n'y a pas beaucoup de rage. En tout cas très très peu, il n'y a pas beaucoup d'accusations de cheat par des Français. J'ai pas l'impression honnêtement, alors que pourtant on critique beaucoup les Français sur les FPS et les jeux vidéo en général, que les Français soient particulièrement toxiques sur Battlefield 5. Alors j'ai eu l'exemple de Français toxiques sur la page Facebook. Quand j'étais publié sur la chaîne Battlefield France. Mais là en l'occurrence in-game, il n'y a pas de soucis. Là il a streamé, on a fait 3-4 games. Alors il y a deux games sur lesquels ils ont roulé dessus. Dès qu'on a une escouade en face qui est organisée, c'est sûr que ça fait vraiment la différence. Surtout si les mecs ils ont un bon niveau. Moi j'ai pas pu faire grand chose. Même sur cette map, vous allez voir, je fais pas mal de kills, mais au final on perd assez lourdement. Et vraiment voilà, j'étais surpris de la bonne ambiance en fait qu'il y avait. Et puis j'ai pas croisé non plus, pas spécialement de haters non plus. Hein. Donc c'est sûr que ça fait plutôt plaisir de voir des personnes qui sont sympathiques. Donc il y avait cette team là, la team Rearwall que j'ai vu qui était en train de streamer. C'était un vendredi de 13 à 14 pendant ma pause déj. Et j'ai croisé aussi d'autres Français derrière le week-end qui pour le coup étaient dans mon équipe, la team des gueux que vous verrez ensuite et qui était super sympa, super teamplay. Et je me dis que putain, il y a quand même un truc terrible avec ce Battlefield 5. Certes, il n'a pas vraiment marché commercialement, mais la communauté Battlefield 5, la communauté des joueurs Battlefield 5 et les Français plus spécifiquement, c'est quand même une super commu, super engagée. Et d'ailleurs, on a une réunion avec les équipes EA France. Alors, je n'ai même pas regardé si on pouvait en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc intéressant pour voir un petit peu ce qu'on peut améliorer dans le jeu, même dans les échanges avec la communauté. Donc, si vous avez des points d'amélioration sur le jeu, sur le gameplay, sur les maps, les nouveaux contenus, etc., n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que c'est les informations que je vais faire remonter. J'ai mon propre avis aussi sur la question, donc j'hésiterai pas forcément à le faire remonter. Mais si vous avez des trucs intéressants à raconter sur le jeu, qu'est-ce qui peut gâcher vos expériences de jeu sur Battlefield par exemple, ou au contraire qu'est-ce que vous kiffez particulièrement. Bon, il y a un truc, c'est sûr que je vais le remonter, mais je me tais deux secondes parce que je trouve qu'il y a une réaction qui est vraiment marrante de leur part en face. Bon, c'est pas un peu trop partout. Du moins il fait des kills, mais j'ai du mal à prendre des objectifs. Ah, il est tout seul à jouer en face. C'est vrai qu'avec mon équipe, j'étais pas vraiment aidé, j'étais pas très, très accompagné, mais je trouve marrant qu'ils disent il fait des kills, mais derrière, ils arrivent pas à capturer des drapeaux. Et effectivement, Battlefield 5, c'est pas un jeu où on est là uniquement pour faire du kill. Si vous êtes pas aidé par votre équipe, c'est impossible de gagner. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, il y a un truc que je veux vraiment remonter, justement, parce que pour moi, l'essence de Battlefield, c'est le teamplay, c'est les réanimations, c'est les objectifs, etc. C'est jouer ensemble. Et je trouve que rien n'est fait pour aller dans ce sens là, c'est à dire que les platoons sont limités à 100, les platoons c'est quand même pas une feature qui est vraiment mise en avant, hein. C'est dans un petit coin du profil principal, je sais que parmi vous, même s'il y a des joueurs qui ont plus de 200 heures sur Battlefield, il y en a certains qui savent même pas où c'est, et je trouve vraiment dommage qu'on ait plus ce système de platoon à la Battlefield 3, où vraiment, on avait un côté social à Battlefield qui manque cruellement aujourd'hui et qui nous permet pas de faire ce qu'on veut. Voilà. Donc si vous avez des choses à remonter à DICE et à EA sur Battlefield dans son ensemble, donnez-moi tous les commentaires constructifs que vous avez, je ferai un petit peu le tri et je leur enverrai ça. Et j'en discuterai avec eux et avec d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu aussi autour de Battlefield, évidemment francophone. Quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec mon groupe, dont je vous ai déjà passé quelques musiques et on avait fait aussi le Coquelicot Challenge pour Cyril. On cherche à enregistrer un EP, un EP, quelques sons de façon un petit peu plus propre. On cherche un ingé son à Paris ou en région parisienne. Donc si vous en connaissez un,
ou si vous-même vous êtes un gestion, vous avez un studio pas loin, ou même si voilà, vous avez un pote qui a un truc un petit peu pro chez lui, n'hésitez pas à me dire ça, à me poke sur Twitter ou même sur ma page Facebook. De toute façon, c'est possible d'envoyer un message privé sur Facebook, donc c'est peut-être le moyen le plus pratique, tout est en description évidemment. Je m'attarde pas trop longtemps là-dessus et je vous fais un petit sondage en haut à droite, parce qu'on cherche à faire des concerts en France, pas forcément en Île-de-France d'ailleurs, un petit peu partout, Angers, Nantes, etc. Donc est-ce que vous seriez prêt à vous déplacer pour aller voir un concert, mettre 5 balles dedans, juste histoire de nous financer l'album? On fait pas ça du tout à but lucratif, c'est juste pour avoir des sons un petit peu propres, et j'espère pouvoir vous sortir une frag movie très bientôt, parce que je commence à avoir des clips qui s'amassent un petit peu sur Battlefield 5, avec une de mes musiques, ça serait un grand kiff. Et j'en reviens à Battlefield 5 parce que dans ce gameplay, même dans le gameplay suivant sur la prochaine map, je fais des choses que je ne fais pas habituellement sur Battlefield quand je joue au sniper. C'est vrai que je prends des risques presque inconsidérés pour réanimer mes alliés. Et tout ça, tout simplement parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont sympas, c'est des personnes qui m'ont réanimé aussi alors que c'était pas évident non plus. Et il y a une notion d'échange à ce niveau-là qui manque un petit peu, parce que moi je joue essentiellement solo à Battlefield. La team légende sur Battlefield, à part Joe qui joue de temps en temps, il y a plus grand monde, ils sont plus sur Apex, donc je joue avec eux sur Apex évidemment. Et puis peut-être bientôt sur Call of Duty aussi. Et donc comme je joue solo, j'ai aussi mon habitude de jouer teamplay. Quand je joue sniper, je vais pas forcément aller prendre des risques inconsidérés pour réanimer mes alliés, ce qui est très dommage. Mais moi ça me permet de rester en vie un petit peu plus longtemps aussi. Et là, je me suis vu faire des actions que je ferais pas habituellement, tout simplement parce que les mecs étaient vachement teamplay, vachement sympas. Et encore une fois, ce côté social de Battlefield 5, pour moi, c'est vraiment l'essence même de Battlefield, hein, de la licence en général. Voilà, vous voyez, il est venu me réanimer, il a pris une balle pleine tête, on en a rigolé à la fin, mais... quand vous voyez des personnes qui sont là à jouer leur vie, c'est pas mon cas honnêtement, je fais quand même des réanimations globalement, surtout quand je joue médic, mais quand vous voyez des personnes qui jouent vraiment leur vie et qui sont là uniquement pour le ratio, qui s'en battent les couilles complètement de la win, alors que c'est quand même le point le plus important, c'est triste, parce que c'est pas ça Battlefield. Y a des modes comme la domination, on est d'accord, c'est pas des modes Battlefield, c'est des modes où t'arrives, tu t'es là pour faire du kill, tu fais la win plus ou moins, tu vas avoir un ratio de win qui va être de 70% si t'es bon, mais bon, c'est pas un mode qui est fait pour Battlefield avec des véhicules, etc. Il en faut aussi, c'était comme Close Quarters sur Battlefield 3, y a des modes de jeu où si t'as pas beaucoup de temps pour jouer, tu t'arrives, tu tues des gens, t'es content, tu repars. Mais quand vous êtes en breakthrough par exemple avec des tanks en face, des mecs qui campent au sniper, c'est important d'avoir une team pour gagner. Et là, avec ces mecs là, on était une squad, j'ai jamais autant roulé sur mes adversaires qu'avec eux. Voilà, la team des gueux, voilà, je sais que vous allez certainement regarder cette vidéo. Les mecs, c'était parmi les meilleures parties que j'ai eues sur Battlefield. Sur Battlefield 5, c'est sûr, et même sur l'ensemble des Battlefields auxquels j'ai joué, c'était parmi les parties les plus teamplay, alors que j'étais comme un caca à jouer sniper, parce qu'en face ça campait aussi, et que bon, c'est un peu le seul moyen de s'amuser quand les mecs bougent pas de leur spawn comme ici. Mais vraiment, voilà, ça me fait plaisir de jouer avec des mecs que je connais pas, et je me dis que je pourrais avoir beaucoup plus l'occasion de faire ça si on avait ce système social avec des platoons, une sorte de battle log, mais in-game, avec des échanges. Vous vous souvenez, à l'époque, quand on avait deux personnes qui étaient en amis sur battle log, ça faisait une notification, c'était affiché sur le mur, comme sur Facebook, en fait, machin et machin sont devenus amis, et t'avais plein de personnes qui faisaient « Wouh !» Enfin, il y avait une sorte de truc trop chelou où tu faisais « Waouh !» Et évidemment, quand Digilix avait rejoint le platoon légende, ça avait fait un petit événement sur battle log. C'était... voilà, il y avait plein de choses qui étaient en dehors du jeu, mais qui permettait d'avoir une communauté Battlefield, et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Et je trouve que c'est du gâchis. Alors, il y en a certains qui m'accusent de BF5 bashing en disant « Ah, tu critiques le jeu. » Sachez que je critique le jeu, certes. Généralement, je critique pas trop le gunplay ou même le gameplay du jeu. Hein. C'est plutôt les map pools, les champs de temps de chargement, ce genre de choses. Parce que je trouve que c'est triste d'avoir un jeu que moi, je trouve particulièrement bon. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai pas autant joué à un Battlefield. Alors c'est pas encore autant que Battlefield 3, maintenant je suis plus étudiant donc c'est un petit peu compliqué de passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo aussi, mais c'est dommage par rapport à ce que pourrait être Battlefield 5 de pas exploiter à 100% ce potentiel par des choses qui sont annexes en fait. C'est pas le jeu qui est mauvais, c'est certains systèmes autour du jeu qui font que il est pas ouf. En tout cas, j'arrêterai pas de faire des vidéos sur Battlefield 5, je vous
Conseil encore une fois d'aller vous abonner à la chaîne Twitch de Reawall Nico que vous avez en description. Et si vous pouvez le rejoindre, s'il n'est pas encore complet, le platoon dégueu, je ne sais pas s'il est ouvert d'ailleurs, mais en tout cas, c'est des mecs qui jouent super teamplay. Donc si vous êtes super teamplay, que vous êtes joueur PC, allez sur leur platoon et puis et postulez, hein, parce que ça leur fera peut-être toujours du monde en plus avec qui jouer. Je ne sais pas s'ils ont un forum, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire s'ils veulent recruter d'autres mates. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, rogue c'est bien, et à la prochaine. Ciao. Time I had enough, and I came for the summer.